Bonjour à tous, bienvenue dans la business interview de Nina Business Shower. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe Quenda. Alors, qu'est-ce que c'est Quenda? C'est des commerçants qui sont spécialisés dans l'épicerie fine africaine. Lors de cette interview, on a échangé sur leur parcours entrepreneurial, des difficultés à entreprendre en couple et à la finesse de leur marque. Et pour le reste, je vous laisse le découvrir en visionnage. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Alors, je suis Binet Assi, cofondatrice de la marque Quenda. Et moi, Daouda Sidibé, cofondateur également de la marque Quenda. Très bien. Et quel est votre parcours professionnel? Alors, j'ai un Master 2 en ressources humaines. D'accord. Que j'ai effectué en alternance et maintenant, j'ai 8 ans d'expérience en ressources humaines. Très bien. Et moi, j'ai fait des études en management des unités commerciales. Et voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille. Ok, très bien. Et quel a été votre chemin vers l'entrepreneuriat? Alors moi, je ne suis pas encore entrepreneur à 100% puisque je suis encore salariée pour le moment. Mais le déclic qui a été effectivement pendant le confinement, on a vraiment pu développer notre projet. On avait déjà un projet en tête, mais le confinement a vraiment été un élément déclencheur pour développer notre projet. Et moi, ça fait déjà depuis plusieurs années maintenant que je suis entre guillemets à mon compte et que je travaille sur divers projets. Et c'est né plutôt de frustration qu'on peut reconnaître dans le salariat. Oui. Et voilà, donc l'idée c'était de pouvoir maîtriser un projet de A à Z et d'en assumer aussi après les conséquences, quand c'est positif ou négatif. D'accord, donc l'idée de l'entrepreneuriat est venue pendant le confinement. En tout cas, pour la création de la marque Quenda. Ouais, la création de Quenda, c'est venu du confinement. Enfin, ça s'est en tout cas bien confirmé pendant le confinement. Mais l'idée de l'entrepreneuriat en soi, c'est quelque chose qui est en nous. Ça. C'est quelque chose qui sommeille. Après, ça se réveille pour diverses raisons, en fait. D'accord. Ok, très bien. Et vous avez décidé d'entreprendre dans l'épicerie fine africaine. Pourquoi? Alors en fait, Daouda, tu peux peut-être parler, non? Tu commences pour parler de ce qui se passe, c'est que moi, j'ai déjà une entreprise d'import-export. Donc, on est spécialisé dans les matières premières africaines. D'accord. Donc, on importe de manière brute aujourd'hui. Et comme on sait, l'Afrique, c'est un peu le grenier du reste du monde. On y trouve de tout. Exactement. Notamment la vanille. On a commencé par ce produit-là de Madagascar. D'accord. Ça nous a permis de rencontrer diverses personnes, des producteurs, des coopératives de femmes. Et on nous a toujours demandé d'autres types de produits. Donc, ça pouvait être des fleurs de bissap, du gingembre, du poivre de Madagascar. Enfin, vraiment tout type de produits. Et ça nous a aussi permis d'en découvrir aussi pour nous-mêmes. D'accord. Et de là, en fait, tous ces contacts, toutes ces personnes-là qu'on a rencontrées, en fait, il y avait possibilité de faire quelque chose. Et le confinement nous a donné l'opportunité de pouvoir recontacter ces personnes-là et se dire... On est français aussi, on a nos origines, mais on est français. La France est aussi reconnue comme le pays de la gastronomie. Exactement. L'idée, ce serait d'allier les deux, en fait, tout simplement. Travailler avec des artisans français, avec le terroir, le produit du terroir africain. Sachant qu'en fait, par rapport à l'élaboration des recettes, moi, je suis passionnée de cuisine. Donc, c'est vrai que les produits, l'hibiscus, le bissap, le baobab, le mat, sont des produits que je connais depuis que je suis petite et que j'utilise dans ma cuisine quotidienne. Et donc, ça nous a permis, nous, d'élaborer des recettes parce qu'en fait, c'est vrai qu'on aimait beaucoup recevoir avant le confinement des personnes de tout horizon à la maison. Mmh. Et quand on faisait des vinaigrettes au mad, au baobab, à l'hibiscus, enfin même des cookies ou des muffins bissap chocolat blanc, les gens adoraient. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit on va peut-être pouvoir créer des produits qui sortent du lot et qui vont permettre aux personnes qui connaissent déjà ces produits-là de les redécouvrir mais sous différentes formes. Exactement. Et pour les personnes qui ne les connaissent pas, de pouvoir les découvrir tout simplement. Voilà. D'accord. Comment une Quenda. D'accord, très bien. Et est-ce que vous n'avez pas eu peur de l'échec? Parce que l'épicerie fine africaine n'est pas mise en valeur. Non, du tout. Honnêtement, c'est même pas rentré en ligne de compte. Ça n'a pas traversé l'esprit. L'échec, si tant est qu'il y en ait un derrière, c'est pas considéré. Échec, c'est juste un mot en fait. C'est pas,
C'est Ça dans dépend l'état ce qu'on veut d'esprit. derrière, ouais. Voilà, c'est l'état d'esprit derrière qui fait quoi. C'est on tombe, est-ce qu'on fait, on reste par terre, on se relève, est-ce qu'on Exactement, se ouais. met sur un autre projet, est-ce qu'on continue? Et c'est ça en fait. C'est en soi un échec, c'est pas un problème. Il n'y a pas d'échec, en fait. Ça dépend comment on le définit, l'échec, mais quand on se lance dans un projet, on sait déjà d'emblée qu'il va y avoir des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toutes Bien les étapes sûr. de la vie. Et donc après, l'échec, c'est comment on arrive à mieux rebondir, en fait. Donc Et en plus, pas je pense que d'échec. même c'est même une source de motivation d'échouer. Ah, bien sûr, Parce ouais. que, en fait, à partir du moment où on échoue, ça donne aussi plus de valeur à la réussite d'après, en fait. On Donc, savoure mieux. on savoure mieux, Et en ça nous fait. permet de nous remettre aussi en question. Parce que parfois, quand on est dans son projet, on fonce tête baissée. Et parfois, il peut y avoir des échecs. Et ça nous permet de se remettre en question, de se dire, bah, qu'est-ce qui n'a pas marché là? Comment on peut faire en sorte d'améliorer la chose pour avancer, en fait, tout simplement. Exactement. Et Donc. quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite aujourd'hui se lancer dans l'épicerie fine africaine? Alors, déjà, ne pas se lancer dans l'épicerie fine africaine juste parce que c'est tendance. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs afro, notamment Maurice Sako, qui nous a fait un petit clin d'œil il y a quelque temps. Ça, ça le Y vent en a poupe, hein, ça. le vent en poupe autour de tout ce qui Ouais. est la nourriture afro. Il faut à la limite être un petit peu quand même passionné de cuisine ou au moins connaître les produits africains Oui, exactement. parce que c'est des produits qui demandent à être mis en valeur et donc du coup il faut savoir le faire en fait. Donc c'est si quelqu'un veut se lancer dans l'épicerie fine africaine parce que quand on dit épicerie fine le mot important c'est fine. Donc Exactement. il faut une certaine finesse, on est en France, c'est le pays de la gastronomie, il y a des grands prix de l'épicerie fine, et donc du coup, il faut savoir réussir à mettre en valeur. Je dis pas que nous, on a réussi à 100%, il y a toujours des efforts à Vous y êtes faire, presque, en tout cas, mais, merci, franchement, c'est gentil, ça y est. mais en tout cas, oui, il faut avoir quand même cet œil sur la finesse, sur le packaging, sur le goût et tout ça, si on l'a. Oui, à 100%, il faut se lancer dedans. Si on ne l'a pas, il faut le travailler dans ce cas-là. Et aussi être dans l'innovation. Il y a de la place pour Constamment. tout, voilà, dans l'innovation, dans la remise en question, dans la résilience, savoir se dire, voilà, comment je vais réussir à me démarquer par rapport à mes concurrents. Après, il y a de la place pour tout le monde, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que le client, par exemple, nous, on commercialise de la poudre d'hibiscus qu'on Oui. peut retrouver partout dans n'importe quelle épicerie. Bien sûr. Qu'est-ce qui va faire en fait que le client va acheter ce produit-là chez moi plutôt que dans une autre épicerie? Et je pense qu'il y a aussi la traçabilité, c'est-à-dire que quand on se lance dans la partie alimentaire, on peut pas, ou que ce soit même dans quand devenir traiteur, tout le monde ne peut pas devenir traiteur parce qu'il y a des Non. normes à respecter, en fait, des normes Merci. d'hygiène. Et donc là, on parle d'alimentaire, et l'alimentaire, en fait, il faut aussi avoir la maîtrise de toute la partie conservation des aliments. Donc nous, notre business model, c'est vrai qu'on s'est lancé dans l'épicerie fine mais sec, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des produits où il y a pas de, enfin, les dates de péremption sont quand même assez relativement lointaines, mais en tout cas, faut vraiment se renseigner sur toute la partie réglementation alimentaire, parce qu'il s'agit pas d'intoxiquer les gens in Exactement. fine. Ou de s'entourer C'est des très personnes. important de le Voilà. soulever, Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir copier, mais en le faisant très c'est mal. ça. Et comme tu l'as dit, hein, intoxiquer les gens. C'est ça. Et Non, ça, c'est pas mais rien. ça vaut pour tous les business, hein. Tous les C'est-à-dire que quand on se lance business, dans la exactement. cosmétique, etc., Oui. on peut effectivement vendre des savons, enfin, les faire à la maison, mais il y a des choses, il y a des normes d'hygiène à respecter. Et de conservation, donc il faut aussi se renseigner sur toute cette partie réglementaire. Je pense que c'est Ouais, hyper important. mais c'est un point important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les produits un peu épices, mais ils font ça un peu de manière informelle et c'est dommage parce qu'ils devraient justement formaliser les choses. Et je Exactement. vois, il y a des gens, je sais que ça marche plutôt pas mal. Ils arrivent à vendre des produits, mais justement, ils n'arrivent pas à passer un certain cap. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'existence officielle, ils n'ont pas d'entreprise, ils C'est font ça de ça. manière informelle. Qui se mettent au moins en entrepreneur, qui n'aient pas peur de prendre le risque d'officialiser les choses. Oui. Oui, on est dans un pays où il faut payer des impôts, des taxes, ça fait partie du jeu, C'est mais ça. on a aussi droit parfois aussi à des subventions. Ça va dans les deux Ça sens, va en dans les fait. deux sens. Donc, quand on est aussi comme on dit, on est dans l'innovation, il y a beaucoup on pousse les gens à innover,
Et malgré ce qu'on pense, en France, c'est quand même assez facile d'entreprendre. C'est pas si dur que ça finalement, en fait. Contrairement à d'autres pays, juste avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est déjà pas mal, en fait. Ça nous permet déjà d'avoir un pied dedans. Et après, bon, il faut savoir aussi s'entourer de professionnels, mais il faut Exactement. pas avoir peur de le faire en tout cas. Ouais. Mais vraiment la traçabilité des produits et savoir renseigner son client. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un client va acheter un produit, c'est de savoir d'où provient la marchandise, comment ça a été confectionné C'est avec vrai que les vous, c'est très ingrédients. clair. Je sais Bah, que en fait, vous on s'est avez vraiment été. entouré par des professionnels, en Oui. fait, parce qu'en fait, on travaille avec des artisans qui sont spécialisés dans leur domaine. Donc, on a créé des gammes de produits avec des maîtres confiseurs, des maîtres vinaigriers, enfin, un maître en vinaigrier en soi. Donc, du coup, toute la partie réglementation, l'étiquetage avec les ingrédients, le Ouais. poids enfin, voilà quoi. On a C'est été vrai que accompagnés. l'étiquetage, franchement, vous avez On a assuré. essayé. Bon, il y a toujours mieux. Enfin, il faut Bon, en toujours. fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce qui se fait normalement chez les autres. Donc, moi-même, ça me dérange même d'entendre qu'on a assuré, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est la base, en fait. Oui, c'est ça. Je me dis que c'est le strict minimum qu'on doit Ouais. faire, en fait. C'est-à-dire que si on fait moins que ça veut dire que c'est pas bon, en C'est fait. pas bon. C'est C'est-à-dire, ça. et si on le fait, Non, parce qu'il faut dire la vérité. Il y oui, a non. certaines Mais personnes c'est parce qui. que c'est justement parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas que, C'est entre vrai. guillemets, peut-être qu'on sort du lot. Alors que justement, Alors, ouais, alors c'est que la ça devrait être norme. la base, en C'est fait. vrai. Et que nous, en fait, c'est vrai qu'on voit plein de choses à chaque fois à revoir, Ah ouais, à non, nous on voit travailler. que des Vous défauts. remettez souvent en Ouais, question, quoi, tout le on voit temps. beaucoup de défauts. Tout le temps. On voit beaucoup de défauts, les gens ne les voient pas, mais nous on en Oui. voit. Donc Mais du c'est coup. peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous cartonnez. Bah, Hein? peut-être, je sais Parce pas. que. Voilà. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Tout le monde se lance. Tout le monde veut se lancer. Tout le monde veut Bah, réussir. après, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que. Mais Enfin, est-ce je que c'est pense que. fait pour tout le monde? Non, c'est pas. Non, Après, c'est pas ça, fou. Ouais. c'est pas fait pour tout le monde, hein, l'entrepreneuriat. Après, ça dépend ce qu'on met dans entrepreneuriat. Enfin, dans entreprendre, je pense. Parce que. Est-ce que c'est porter un projet, porter son projet? Enfin, ça dépend. Moi, Ouais, là, c'est c'est. un état d'esprit déjà de base. Ça veut dire que déjà, moi, je connais des gens qui seraient des très bons chefs d'entreprise, mais qui ne se lanceront jamais parce qu'ils ont pas, il leur manque ce petit truc de se lancer, peut-être la peur de si cela. Donc c'est pas grave en soi, hein, de ne pas être. Oui. De toute façon, on peut pas être entrepreneur. De toute Entrepreneur. façon, il faut Il y en a qui bien. sont très bien en société, Ils sont très bien en société, et en plus, nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on a besoin de gens qui soient, entre guillemets, en place. On a besoin d'un comptable, on a besoin d'un avocat, on a Exactement. besoin de personnes qui nous accompagnent aussi. Donc, du coup, on a besoin de salariés. Donc, du coup, on peut pas dire que se lancer dans l'entreprise, c'est fait pour tout le monde. Par contre, c'est quand même, on est, après, si on parle plus de nos communautés, par exemple, peut-être qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer parce qu'il y a le schéma familial qui fait que on a vu nos parents trimer. Donc du Oui. coup, on veut avoir une vie meilleure pour nous-mêmes et pour nos enfants. Donc du coup, on pense que se lancer dans l'entreprise, c'est la solution. Oui, en partie, mais il faut pas négliger les études, faut pas négliger aussi à côté le fait qu'il y a d'autres opportunités aussi ailleurs. Mais c'est vrai que l'entreprise, c'est une bonne réponse. Par contre, faut savoir trouver le bon business, C'est ça, qui nous qui nous correspond, correspond, et dans lequel on a des compétences. Et si on les a pas, qu'on aille les chercher, qu'on aille se former. Faut pas avoir peur de se former, en fait, surtout. Et travailler avec des professionnels, s'entourer de professionnels, quand on ne sait pas, quand on n'a pas la compétence, il ne faut pas avoir peur de se dire, voilà, bah, là, je suis limité sur ces aspects-là, mais je vais m'entourer de quelqu'un qui va pouvoir m'épauler et Exactement. m'accompagner au mieux. Après, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'investissement, en fait. Donc, on Très investit, mais important pour, d'investir sur soi-même, hein. sur soi-même, sur son business, que ce soit même pour des shootings photos, pour que ce soit, enfin, des choses qui te rendent plus professionnel notre activité. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, après je pense que nous, dans notre communauté, dans l'éducation qu'on a reçue de nos parents, c'est pas quelque chose qui nous a été inculqué. C'est vrai que nos parents nous ont élevés pour qu'on puisse rentrer dans le moule, ne pas se faire remarquer, arriver à l'heure. Voilà, c'est C'est pas. ça. Alors qu'il y a d'autres communautés comme les communautés asiatiques ou les Indiens, enfin les Pakistanais, etc. qui, enfin, c'est l'entrepreneuriat, c'est dans leur, ça a été, c'est ce qu'on leur a inculqué. Dès le Les départ. Libanais, les communautés, enfin voilà. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui, je pense qu'on a aussi notre revanche Apprendre. à prendre et que ça commence tout doucement. Donc, Tout doucement, là, ça y ouais, là, ça y va depuis le va. confinement. Mais il y a eu l'effet confinement aussi. C'est vrai que ça fait depuis quelques années qu'on voit maintenant beaucoup de gens se lancer dans des business et tout. Mais comme je le dis,
faut pas que ce soit toujours que de l'informel. Moi, j'en vois beaucoup qui se lancent et j'en vois beaucoup pour qui ça marche pas trop mal en plus. Oui. Mais formaliser les choses en fait. Ça aurait pu être mieux. Voilà, c'est-à-dire que vous n'ayez pas peur de monter un business plan, d'aller le présenter à des banques, d'aller essayer de voir si vous pouvez financer vos projets, tout ça et tout. Ils sont pas. Si vous avez quelque chose qui tient la route, on peut. Les gens vous accompagnent. Hein. Oui. De toute façon, il y a des business angels, il y a des investisseurs privés. Donc c'est il y a, ouais, vrai. Il y a encore plusieurs... faut-il les trouver. Il y a des personnes qui souhaitent mais qui n'ont pas spécialement les contacts, qui n'ont pas, ils sont pas entourés. Si on est dans une famille où on est le seul à entreprendre, Il faut pas avoir peur de se mélanger déjà. Oui. Ça veut dire qu'il faut pas, par exemple, il faut côtoyer les autres personnes. Il faut aller là, faut peut-être aller aussi là où on n'est pas forcément attendu. Exactement. Il faut aller, il y a des salons de l'entrepreneuriat, il y a des réunions d'affaires, il y a des choses qui sont pas fermées. Il y a hein. plein de choses. Il y a plein de choses sur lesquelles, même si on a l'impression qu'on voit pas spécialement un intérêt dedans, à, au moins de se renseigner pour voir comment les gens pensent. Oui. Et, maintenant, les investisseurs, il faut aller voir, il faut aller être dans les réunions d'affaires et les écouter pour Exactement. Voir sur quoi ils investissent, qu'est-ce qui les intéresse. Est-ce que ça se trouve, c'est pile poil ce que tu fais en fait. Oui, c'est vrai. Alors, étant donné que vous êtes dans l'épicerie fine africaine, ressentez-vous le soutien de la communauté africaine? Oui. Honnêtement, oui. Parce que c'est vraiment des produits qui leur parlent. Par exemple, on a notre best-seller, c'est le vinaigre de Mad. Donc, c'est vrai que le Mad, en fait, c'est un fruit qui est prisé par les populations locales en Afrique de l'Ouest. Et c'est c'est un fruit que tous les Sénégalais, Maliens ont consommé dans leur enfance. Donc c'est vrai que quand ils voient vinaigre de Mad, ça leur parle en fait, ça leur rappelle leur enfance. Et donc c'est vrai que par rapport à l'innovation, enfin en tout cas le fait de, on est les premiers à avoir créé un vinaigre de Mad parce que vous le retrouverez nulle part ailleurs. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'encouragement et on a eu beaucoup de retours positifs. Ouais, parce qu'en fait quand on a lancé Konda, parce que là ça va faire bientôt un an que la marque existe. Le premier mois, on avait mis en place un système de livraison gratuite. Donc, ça veut dire que ça nous permettait d'aller rencontrer les clients, de discuter aussi avec eux. Et la première chose qu'on nous disait, c'était « Enfin, il y en a qui se sont lancés dans ce… » Limite, on avait l'impression d'être attendu en fait. Et ça nous a permis aussi de rencontrer notre persona, donc de voir qui sont nos clients. Et aujourd'hui, une grande partie des clients font partie de notre communauté. Donc donc on voit bien que c'est des produits qui sont attendus, que c'est des produits qui leur plaisent. On a des clients qui recommandent régulièrement. Bah, je pense que c'est parce que vous avez innové. Parce que moi, je sais que j'ai une amie qui a un restaurant et elle me disait que elle a un restaurant africain et elle me disait que c'était encore plus dur de séduire les Africains parce que quand elle fait par exemple un plat d'aloco avec du poulet. Les gens disent, mais ça coûte trop cher. Parce qu'en fait, ils peuvent le faire chez eux. Ce sont des plats qu'ils peuvent faire chez eux. Tandis que vous, par exemple, là, moi, je vois un bonbon à l'hibiscus et au miel. C'est de l'hibiscus. Après, pour la question, vous l'avez remodelé, vous voyez, vous avez innové, en fait. En fait, par rapport, je voulais rebondir à ce que tu disais par rapport à ton ami. Oui. En fait, c'est que si les personnes sont pas en capacité de payer en fait pour une prestation, parce que quand on va au restaurant, on paye pour un service rendu, c'est que c'est pas la cible en fait. C'est que c'est pas la bonne cible. C'est-à-dire que là, demain, nous, on a une épicerie fine avec des produits qui ont un certain coût. Si les personnes considèrent que le prix est trop important. Parce qu'elle voit pas que finalement on utilise des produits naturels, on travaille avec des coopératives de femmes, on utilise du verre. C'est qu'en fait c'est pas notre cible en fait. C'est exactement ça en fait. C'est on a par exemple les mamans, parce qu'on vend les. Là on a ramené un peu ce qu'on faisait, les produits qui sont un peu transformés, mais au fond on fait aussi des produits bruts. C'est-à-dire qu'on fait aussi du poivre, on fait aussi du gingembre moulu, on fait de la poudre d'hibiscus. Et en fait les mamans quand elles voient ça, elles disent mais. Comment je vais pas. En fait, ils commercialisent ça. Non, mais déjà, en fait, le simple fait de le proposer, en fait, si on le proposait au prix, c'est pas notre cible, en fait. Exactement. Mais par contre, les filles de ces mamans-là, sont les cibles parce que on a essayé de mettre aussi en valeur le produit et la traçabilité, le storytelling qu'il y a autour de la marque sur le fait qu'on travaille aussi avec des coopératives. C'est des choses qui touchent maintenant, nous, même nous, dans nos communautés, maintenant, on est conscient du côté éco-responsable et tout ça et tout, et que il faut aider les communautés là-bas, et que voilà, on est en pleine crise de migratoire et tout ça. Donc, du coup, c'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte que quelqu'un qui veut juste de la poudre de bicep, il veut acheter ça. Il rentre pas dans ces questions-là, en fait. Après, il y a aussi une question de centre d'intérêt.
C'est-à-dire que là, quand tu te lances dans un business d'épicerie fine, souvent, c'est des personnes qui ont une à qui ça parle, en fait. Bien sûr. Qui adorent manger, voilà. Oui, après, tu vas avoir, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Daouda, des mamans, effectivement, sur nos produits bruts, elles vont pas être intéressées parce que, pas forcément le prix, elles vont dire que c'est trop cher. Mais, vu les intérêts des mamans, demain, pour mettre de l'argent dans un bazar ou dans de l'or, elles vont trouver, il y a pas de, elles vont voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une question d'intérêt. Tu peux avoir d'autres personnes pour qui le restaurant, ah, c'est trop cher le poulet, mais par contre, elles vont pouvoir mettre 600 euros dans une perruque. En fait, c'est une question d'intérêt. C'est ça. Ou 600 euros dans une paire de chaussures. C'est pas du tout la cible. Voilà, c'est que c'est pas la cible. Dès l'instant où la personne, où il y a un problème de prix par rapport à la prestation et au service rendu, c'est que la personne, malheureusement, n'est pas la cible. C'est vrai. Donc après, quand on se lance dans un business model, on a réfléchi notre modèle, on a travaillé la cible. Si après, on a des personnes, enfin après, bon, tout le monde, il y a qu'en faisant qu'on se fait critiquer. Oui. Donc si les personnes considèrent que le prix est trop important, désolé, mais c'est que vous n'êtes pas notre cible. Exactement. Voilà. Bien dit. Il faut être, en fait, quand on se lance, voilà, il faut aussi avoir une certaine confiance en soi et se dire, voilà, bah, c'est que t'es pas ma cible. C'est si ça. Tu... C'est très bien. Et donc, du coup, vous travaillez ensemble. Oui. Vous êtes un couple. Oui, on est mariés femmes. Voilà. Est-ce qu'il y a forcément des avantages, mais il y a aussi des inconvénients? Ah ouais, c'était super compliqué au départ. Hein. Ah oui, c'est pas facile. Je me suis dit qu'on va pas y arriver, parce que en fait, ouais, c'était hyper compliqué. Hein. Enfin, c'est des questions de trait de caractère, en fait. Oui, qui, non, mais trait de caractère, mais ça après, dépend dans quelle sphère. Voilà, dans mais oui, sphère, mais... tu es dans bah, la... c'est parce qu'en fait, nous, on a créé Kwenda en plein confinement, donc déjà... comme on dit, là, il y a donc, après le confinement, il y a eu, le taux de divorce a augmenté, on peut le confirmer. Donc ça veut dire que nous, on n'a pas choisi la facilité en se disant que déjà, en plus, il faut qu'on vive les uns sur les autres constamment. Il n'y a pas de coupure, le travail, et après tu rentres à la maison. Il n'y avait pas cette coupure. Ça veut dire que c'est travail, travail et travail, en fait. Oui, mais tout exactement. Dans la maison et tout concentré au même endroit. Donc du coup, bah forcément, il y avait des trucs sur lesquels on était d'accord, les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Il y a celui qui veut pas lâcher le steak, celui qui veut forcer parce qu'il considère que moi je l'ai redécouvert. Hein. J'ai dit mais avec qui je suis, voilà. Qui est-il? Mais c'est une bonne école et tout. Mais je peux comprendre que ouais c'est pas facile pour tout le monde et c'est pas facile tout le temps en fait. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut pas déconseiller à personne, on déconseille à personne de ne pas le faire, mais il faut savoir dans quoi vous rentrez. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une petite base quand même dans le couple, quand même. Oui, pour, une base assez solide. Quand même, parce que sinon c'est. Ouais, parce qu'il y a des traits de caractère en fait que moi j'apprécie beaucoup dans le quotidien, dans notre sphère privée. Oui. Parce qu'en fait, finalement, on n'a jamais travaillé ensemble. Enfin, ça veut dire qu'on se voit dans la sphère privée. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans le travail, il y a certains traits de son caractère qui, en fait, qui m'horripilent. Genre, je pouvais plus. Il n'y aurait pas pu être son collègue, du coup, en fait. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui sont en couple? Ils sont en couple. Ils ont un projet en commun, mais qui ont peur parce qu'ils se disent, est-ce que ça va pas nous séparer? Ou au contraire, il y en a qui pensent que c'est tout beau, on va travailler ensemble, la vie est belle. Après, justement, et je sais pas fait, si déjà d'entrée de jeu, tu te poses cette question-là, je me demande si c'est déjà pas un indice. Ah, de base. C'est pas, ouais. Parce que normalement, tu... Le conseil est clair. Ouais. Non, mais parce que de base, la question, elle est des... Enfin, la réponse, elle est dans la question, en fait. C'est-à-dire que si tu te poses cette question-là à ce moment-là, c'est que voilà, tu vois, en fait, c'est soit le projet, il est après, bon, c'est pas aussi simple. Moi, nous, on s'est pas posé la question. Mais je pense qu'il y en a qui se peuvent se la poser parce qu'ils peut-être qu'ils se posent plus de questions au quotidien et voilà. Donc c'est un peu normal qu'on puisse se la poser. Mais concrètement, moi, le conseil que j'ai à dire, c'est de réussir à cloisonner, on va dire. D'accord. Ça veut dire à un moment donné réussir à cloisonner. À un moment donné, c'est le travail, mais à un moment donné, c'est la vie c'est de la maison qui reprend, qui reprend le dessus. Et si jamais il y a une tension sur le travail, même s'il y a la coupure, la tension reste au travail. D'accord. Voilà. Il faut dissocier les choses. Il faut réussir à dissocier. Après, je sais pas, ça marche pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est une petite. Ouais, c'est un très bon conseil. Ouais. Que tout ce qui est professionnel reste. Si on s'est disputé parce qu'on s'entendait pas sur quelque chose au niveau professionnel, sauf que quand on a fini de travailler, on est mari et femme et. C'est ça. Ouais. Et d'accord, c'est très bien. Et vous voyez où dans 5 ans? Bah déjà, peut-être sur d'autres projets en plus de Kwenda, parce que il y a toujours une démarche solidaire autour de tout ça et tout, donc peut-être que de développer des choses dans nos pays d'origine, d'accord. Peut-être, en plus.
De voir aussi, même l'entrepreneuriat aussi, peut-être voir ce qu'on aura développé d'ici là et tout. Et pour, en tout cas, pour Kwenda, moi, pour ma part, je pense que voilà, la gamme, je sais pas. Peut-être, hein, je ouais, pour l'instant, je sais pas. Un endroit où vous pouvez exposer. Franchement, moi, je me vois plutôt, enfin, en tout cas, dans 5 ans, peut-être plus en France. Ouais. Peut-être que j'espère que j'aurai quitté le monde salariat, le salariat. Oui. Ça, c'est un objectif. Mais c'est étonnant parce que, enfin, je parle avec plusieurs personnes, etc. Et la plupart me dit peut-être pas en France. Oui. Ouais. Ouais. Ça peut être en Afrique. Ouais. Oui. Ouais. Il y en a beaucoup. Je pense qu'on a une prise de conscience. Hein. Il y a un appel aussi de l'Afrique. Oui. Il y a un appel et. Ils nous ont quand même ouvert les portes. Ils nous ont plutôt rassurés. Et puis. Mais après, je pense qu'il faut pas non plus trop, comment dire, rêver non plus la vie aussi, parce que beaucoup de gens imaginent que voilà, tu vas arriver en Afrique, ça sera simple et tout ça et tout. Même si tu viens avec des moyens, même si. Il y a des difficultés là-bas aussi qu'on ne rencontre pas ici. Il faut prendre en compte. Hein. Il faut que, il faut prendre tout ça en ligne de compte. Il y a et la tout réalité africaine aussi. Ouais. Hein. C'est la réalité. Donc, chose, du coup, hein. Oui. Moi, je pense que ouais, y a, même s'il y a un retour entre guillemets en Afrique, on ne lâchera jamais réellement la France. La en France, fait, on est d'accord. Ouais. Hein. Déjà, on a en tout cas, vraiment, je pense que dans 5 ans, on espère vraiment avoir créé une structure là-bas qui va permettre de développer, créer des emplois. C'est ça l'objectif, je pense. Ouais, c'est peut-être un pied entre ici et là-bas, peut-être, dans 5 ans. Et par rapport à Kwenda, peut-être, oui, effectivement. Moi, l'idéal, ce serait de se dire que c'est un truc qui arrive à vivre de lui-même, qu'il y ait des employés, qu'il y ait des gens qui, qui font que la machine arrive à tourner et que voilà, quoi. C'est déjà, ça serait. Le simple fait que la marque existe encore dans 5 ans, ce serait déjà une grande bataille de gagner et tout. Daouda, quel a été ton parcours entre le salariat et l'entrepreneuriat? Alors, j'ai fait une formation sur l'entrepreneuriat pour apprendre les bases de la comptabilité, de pouvoir gérer un fonds de roulement, de pouvoir créer un business plan. Donc, ça m'a permis de comprendre que je ne savais pas tout déjà et que j'avais encore plein de choses à apprendre. Même là, jusqu'aujourd'hui, j'ai encore des choses à apprendre. Et ça m'a permis de me rendre compte que, justement, ça n'allait pas être simple. Mais que ce n'était pas non plus aussi impossible à faire parce que justement il y avait des gens qui étaient là pour m'accompagner. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait je savais que je pouvais poser presque à toute heure des questions sur tel ou tel sujet parce que c'est vrai que la comptabilité, la réglementation en France, ça peut vite faire fuir. Hein. Ça fait fuir les gens. Il faut dire la vérité. Surtout nous on a été sur l'import-export. Moi j'ai fait du commerce de base. J'ai travaillé dans différents postes, rien en direct avec, par exemple, les douanes. Donc, un truc tout simple. Ah oui. Mais donc, du coup, l'import-export, c'est beaucoup de réglementations douanières, des choses, des produits qu'on a le droit de faire venir sous telle forme et pas dans d'autres formes. Et donc, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que déjà, c'est pas simple, mais c'est pas impossible parce que on a quand même la chance en France que, par exemple, moi, dans mon cas particulier, c'est que j'avais des interlocuteurs, en fait. J'avais des gens, je savais qui, où taper. Et quand je savais pas, il y avait toujours quelqu'un qui savait. Ouais, donc, du coup, ça aide bien de pouvoir savoir qu'on peut compter sur telle ou telle personne ou tel organisme. Au niveau des douanes, ils sont très, comment dire, très ouverts. Oui. Ils nous donnent, des gens pourraient penser que c'est payant d'avoir telle information, alors c'est totalement gratuit. Donc ça m'a permis de comprendre et de faire des économies. Il faut être quand même audacieux au final. Audacieux, être curieux, je pense. Oui. C'est plus de la curiosité que de l'audace en fait. Mais c'est vrai que je me rends compte que aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer dans l'entreprise, il faut qu'il se forme, un minimum en tout cas. Oui, c'est très important. Moi à l'époque, parce que ça date de 2014-2015 déjà. J'avais pas par exemple d'outils de formation sur le marketing. Exactement. À part peut-être qu'il y en avait, mais moi dans ma tête je me disais que si je veux faire une formation sur le marketing, c'est soit je devais la payer moi-même ou soit il fallait que je prenne que j'aille dans une école ou voilà quoi, que je passe par ce genre de système là. Aujourd'hui en 2021, il y a d'autres, c'est encore plus facile en fait. Exactement. Donc, le digital s'est développé. Voilà, le digital s'est développé. Il y a des tutos même sur internet. On peut trouver il y a des informations. Il y a des gens qui donnent l'information gratuitement. Donc, non, je pense qu'il y a matière aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'effectivement, il faut,
rentrer dans une démarche de formation. Et si on n'a pas le temps de se former, c'est de se faire accompagner par des professionnels qui vont pouvoir répondre aux questions, en fait. Faut pas avoir peur de se dire... Et de payer, c'est un investissement. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, mieux vaut payer, par exemple, un comptable. Mieux vaut bien le payer un comptable un minimum, avoir un bon comptable, parce que le comptable, c'est pas lui le responsable au final. Donc demain, il y a un problème, même si c'est lui qui a fait, vous ne pourrez pas dire oui, mais c'est mon comptable. Non, ça ne marchera pas en fait. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des postes, il faut accepter qu'il faut payer. Aujourd'hui, on veut faire des produits, par exemple, pour parler de produits africains, on veut faire des photos. Je ne suis pas photographe. Il faut payer. Il faut payer. Donc, Après, il y en a beaucoup qui se disent bon, ben, je peux prendre avec mon iPhone. On peut le faire, c'est vrai. Nous, on l'a fait. Oui, on va pas se mentir. Après, c'est des étapes, c'est des paliers. Ça veut dire qu'au début, je le fais moi-même. Exactement. Ça donne un rendu qui est plutôt correct. Ça donne ce que ça donne. Ça me permet de vendre. Je vends. J'améliore mon produit. J'améliore l'image de mon produit. Donc, du coup, je fais appel à un professionnel. Mmh. Je reprends des meilleures photos, ça me donne l'opportunité d'être sur d'autres marchés. Exactement. Et ainsi de suite, et voilà quoi. On gagne en sérieux au fur et à mesure, en fait. Dans l'entrepreneuriat, au départ, on commence par ses propres moyens. Et après, si on veut avoir les moyens de ses ambitions et qu'on veut évoluer avec le temps et perdurer, il faut se dire, à un moment donné, ce que j'ai gagné dans l'achat de mes produits, je vais le réinvestir dans quelque chose. Ça peut être un shooting photo, ça peut être plein de choses. Vraiment, il y a des paliers, quoi. Vraiment, exactement, ouais, oui. Mais sinon, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une formation continue. Oui. Ça veut dire que je pense que même aujourd'hui, des grands chefs d'entreprise du CAC 40 et tout continuent à se former. Et c'est pour ça qu'on les voit toujours dans des salons, dans des forums et tout. Ils vont pas se former, ils vont pas te dire oui, je me suis formé. Exactement. Non. Mais ils apprennent des choses et tout ça. Et il faut toujours être curieux en fait. Avec le digital, etc. Maintenant, la formation, elle est trouvable sur son téléphone. Directement. Combien de fois je me suis sorti de situation où même un client qui me pose une question, j'avais pas la réponse. J'ai soit Google pendant que je suis en ligne avec lui, je trouve la réponse parce que je savais où la trouver. Au final, la formation était bonne en fait. Ah. Donc ça, c'est important. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir été. C'est un plaisir. Merci.